Bonjour, un vlog, un cadeau numéro 22, c'est parti. C'est parti. Bon, il reste plus que deux vlogs de moi et deux vlogs de Caro. Les gars, il va falloir qu'on en profite à fond. Ce matin, on part faire les achats de Noël. Donc comme Guillaume est en vacances, et ben on en profite pour aller faire les cadeaux de Noël et aussi à faire des achats pour de prochaines vidéos qu'on va tourner cette semaine. Là, la première étape, c'est de trouver un drapeau de Cuba. Donc vu que on n'est pas à Cuba, ça va pas être le plus simple du monde, mais on va voir parce que comme il y a plein de boutiques de tout et de rien, peut-être qu'on va trouver sur la Rambla. Ouais, je pense qu'on va trouver. J'espère. Première boutique, il y a des drapeaux. Ah! Ça aussi, c'est bien cool, ces petits boards là. Je sais pas comment on appelle ça. Des banana boards, non? Je sais plus. Il me faut une casquette aussi, mais je suis pas sûre de mettre une casquette BCN. Quoique, avec les fleurs, c'est joli, hein. Quoi, les gars, ça va pas? Vas-y, on va essayer. J'arrive, mon dieu. Toi, t'as vraiment une petite tête, hein, chérie, hein. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing, yeah, jingle bells ring. Deuxième étape, le centre commercial. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime. Petite pause au Starbucks. Bon, moi j'avais pas du tout envie de Starbucks, alors j'ai pris ça. On peut manger un wok après? Non, on verra. Et on a fait plein d'achats pour Noël, mais on n'a pas tout acheté encore. Tu te régales, chérie? Ouais, bon. C'est bien du lait de soja, hein? Bah oui, normalement. On a trouvé le Père Noël. Il court, le Père Noël. Allez, ça fait 5 minutes qu'on est assis et Smoothie Juice Bar, il ouvre. Je suis déçue. Parce que ça, c'est trop sucré. J'adore le jus de citron, mais là, ils ont rajouté du sucre. Et du coup, c'est moins bon, quoi. Et le café, il est pas ouf non plus. Est-ce que je travaillerai pas les jambes aujourd'hui au sport? Bah, si on a le temps, ouais. Faut que je me plaigne parce que mon chéri veut savoir ce que c'est son cadeau de Noël. Ça m'énerve, elle fait des teasings, là. Je lui dis, bon, je vais mettre ça. Enfin, je lui explique 2-3 trucs, mais sans lui dire ce que c'est. Parce que j'ai pas envie qu'il sache. Pour une fois, j'aimerais qu'il y ait du spoil un peu. Bah, t'attendras vendredi matin, comme tous les enfants. Comme tous les enfants. Je vais mettre mes chaussons, je vais les charenter. Parce que chez les parents de Guillaume, on s'offre les cadeaux le 25 au matin et pas le 24 au soir. C'est même pas on s'offre, c'est le Père Noël. Ah oui, c'est le Père Noël qui vient les mettre là, dans la nuit sous le sapin. Il n'y a plus d'enfants hein, dans la famille. Mais... Si. La mer, youpi! On va aller tourner un peu de la vidéo de la première vidéo de janvier. Ici. De cowboy là. Quoi, mes chaussures de cowboy? C'est que je les ai ouvertes comme j'ai enlevé mes collants et que je vais sûrement marcher pieds nus. J'avais pas envie de les rouvrir. Le gars, il est allé dans l'eau à tous les coups. Mais il fait chaud, hein, je vous regarde, dis. Regarde, ici. Quoi? Sur la digue. La digue des fesses sans revenant de Nantes. Tais-toi! Bon, j'ai hâte que vous voyez cette vidéo parce qu'on essaie de faire un truc qui change de l'ordinaire. On a envie de changement. Oula! Ouh là là, on est envahi par les vélos là. Et encore, je vais couper la chaîne. Hey, arrête de dire digue des fesses. Bah, tu dis la digue du cul. La digue tout court. Bon, deuxième étape. Hop, je prends les trucs que j'ai achetés tout à l'heure. Je vais me changer dans la voiture. Donc la bonne vieille rabouinance. Rabouinade, je sais pas trop dans ce cas là comme on dit. Évidemment, il fallait qu'on se parking juste à côté du monsieur qui traficouille sa voiture là. Du coup je suis pas très très tranquille pour me changer. Voilà mon autre tenue. Je voulais trouver une robe qui vole, mais en hiver c'est pas évident. Alors j'ai trouvé une chemise qui vole et comme elle est très ouverte, j'ai pris un legging. Ça vient de chez Mango et le legging de chez Bershka. Je sais pas trop si je vais les garder. Là-bas, on voit GG qui fait de la photo, je crois.
Je sais pas ce qu'il fait. Il fait des photos avec son iPhone. Je sais pas. On va lui demander, allez. Qu'est-ce que tu traficotes? Hein? Tu tweets? Tu tweets quoi? Mais tu tweets vraiment en plus. Ouais, bah, on est en tournage. Ah ouais, tu fais du teasing. J'ai le droit. Bah oui, t'as le droit, chérie. Alors, chérie, t'es encombrée un peu, non? T'as beaucoup de choses avec toi. Non. Ça va, tu le vis bien? Non. Mais moi aussi, hein, j'ai la caméra, j'ai mes chaussures, j'ai mon sac, j'ai la carte, j'ai la caméra que vous voyez pas. Ici, là, celle-ci. Et on va sur la fameuse digue. Tourner la suite. On prend des risques sur la digue. Pieds nus. Je peux passer par là, c'est plus plat, non? Hop. Parce qu'on va aller plus loin pour pas avoir cette autre digue au fond là, en fond. On voudrait que ce soit que la mer. La mer qu'on voit danser. Voilà, on a fini de tourner pas deux scènes. On a tourné combien? Oui, deux. De la première vidéo de 2016. Et cet après-midi, on en tourne une autre si tout va bien. Et là, on va aller manger. On va vous montrer notre wok préféré de Barcelone. Donc, on les connaît pas tous évidemment, mais c'est vraiment celui qu'on adore. Il est près de la plage à la Barceloneta, donc vraiment c'est près de tout. Et c'est trop trop bon. C'est bio peut-être, je sais plus. En tout cas, il fait plein de trucs végés. C'est pas tout bio, moi je sais plus. On va vous montrer, vous allez voir, c'est trop délicieux et trop joli. Que vous verrez pas que c'est délicieux, mais. À ce qui paraît, en France aussi, il fait super beau. Ça fait du bien là d'être calé au bord de l'eau, même si on. Bah, du coup, ça simplifie le travail, quoi. Ça, c'est un crocodile, il a dit GG. Mais GG, des fois, c'est. Il a pas toute la lumière aux étages. Comment on dit? Il a pas la lumière à tous les étages. Et je. Hein? Quoi? Et je tends, hein? Hein? Hop, c'est ici, en face de la plage de la Barceloneta. Vraiment, et c'est trop trop bon. Faut que vous veniez, il y a des trucs végé et pas végé. Il y en a pour tout le monde. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Bon, changement de décor et d'accoutrement, on s'en va au sport. Bon, on a digéré entre temps un peu hein, quand même, ça c'est pas enchaîné. Mais avant ça, il faut qu'on tourne une autre scène de la vidéo. Et on vient de passer chez le vétérinaire pour prendre rendez-vous pour Campeche aussi, parce qu'il faut lui faire le rappel du vaccin, de je sais plus quel vaccin là. Du coup, demain elle va aller se faire piquer, enfin, ouais. Pas piquer, hein, vous avez compris. Oh la peau. Vacciner, c'est ça qu'on voulait dire. Et faudra qu'on la prépare psychologiquement, je sais pas si elle aime bien. Bon, je vous le dis, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Faire de la photo. On a réellement demandé à un gars qui faisait du skate par là de m'expliquer comment on faisait du skate. Du coup, il a pris 5 minutes et il m'a expliqué. Bon, un truc comme ça, c'est pas mal. Il y a GG qui m'appelle. Ça, c'est cool. Mais je sais pas faire. Pourquoi il fait comme ça? To go gliding in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingle and beat. Bon, ça fait environ une heure qu'on est rentré et je me suis toujours pas douchée, hein, dégueulasse. Mais fallait absolument que je me mette à travailler parce qu'il était déjà 6h30 et que après les gens ils sont plus dispo au bureau pour que je leur réponde aux mails. Donc comme il y a les fêtes qui arrivent, après plus personne sera là. Donc c'était un peu urgent. Je vais vous préparer du cadeau du jour parce que je suis contente. Donc aujourd'hui c'est la marque Décléor qui vous offre une panoplie de soins pour vous coucouner, pour être au top, hyper hydraté pendant l'hiver et tout. Et donc vous allez avoir au total 6 produits, soins, que ce soit pour le corps ou aussi pour le visage. Il y a des huiles, il y a des crèmes, vraiment des textures différentes pour pouvoir tester d'autres choses et voir ce qui vous correspond le mieux et ce que vous aimez le mieux. Donc c'est vraiment encore un cadeau super top, je suis trop contente, vraiment
On n'a pas encore remercié toutes ces marques qui nous offrent tous ces produits, mais ça ne saurait tarder. À chaque fois qu'on fait ces cadeaux-là, on a envie de les remercier encore et encore, tellement on est contente. Et donc pour participer, c'est toujours pareil. Je vais prendre la pause, faites une petite capture écran. Ah, je croyais que j'avais un truc dans les cheveux, mais c'était la lumière du sapin. Vous pouvez partager cette capture écran sur Twitter, aussi sur Instagram, n'hésitez pas. Je vous mets les hashtags juste là. Ici, vous avez le visuel de tout ce que vous allez pouvoir gagner aujourd'hui. Et voilà, bonne chance à tous. Moi, je vais continuer un petit peu à travailler. Et ensuite, je vais aller doucher, non ? Attends, d'abord, je vais finir de bosser. Et je suis capoute. C'était une bonne journée productive, mais je suis capoute. Et en plus, j'ai un mal de crâne depuis le sport, là. C'est ça qui m'a tué, je crois. Capoute, bicyclette à mazout. Bon, je suis en train d'essayer de me faire les ongles, mais je suis ridicule avec ma vieille lime à ongles que j'avais eue l'année dernière chez Body Shop. Donc elle fonctionnait très bien jusqu'à qu'elle fonctionne plus, quoi. Et là, j'arrive plus du tout à me limer les ongles. Et en attendant, je regarde le vlog de Caro. C'était un plan qu'ils avaient à rien. Bon, nous on va regarder Person of Interest, c'est notre nouvelle série du moment. Et pendant que la soupe elle cuit, enfin, elle se fait quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que hier, Caro, enfin aujourd'hui, donc le 21, Caro et Gigi ils ont fêté leurs 3 ans. Du coup, vous pouvez leur faire un joyeux anniversaire, Caro Gigi. Voilà, je voulais juste. Joyeux anniversaire! Feliz anniversario! Feliz anniversario! Bon, on va conclure le vlog là parce que je deviens fou. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve après-demain pour mon dernier vlog. Un jour, un vlog, un cadeau. Et voilà. Plein de bisous. Ciao. Et franchement. Voilà.